Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur la partie 2 du diorama lisier et fumier. Je fais la vidéo après d'avoir fini le montage parce que tout simplement, le diorama, il est magnifique. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici. Le diorama, il est incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Vraiment, c'est le plus beau diorama que j'ai pu faire. Sachant qu'il faut que je vous sorte la vidéo pour 14h et qu'il est actuellement midi, forcément, j'aurai du retard. Bon, je pense que maintenant, hein. Vous me connaissez, il y a tout le temps du retard un petit peu quand bah parce que j'ai pas trop le temps, on va pas se mentir, quand je rentre de Vendôme. Bref, j'essaie de dépêcher afin que vous ayez la vidéo le plus tôt possible. C'est parti. Bon les gars, comme vous le saviez, la dernière fois, bah du coup j'avais fait toute cette partie-là. Et puis ça, donc là, je l'ai collé tout à l'heure. Il reste plus qu'à faire cette partie-là. Et puis bah, un petit peu ici, forcément. Parce que là, ce sera caché par le fumier. Ici, donc j'ai fait une petite ligne. Parce que je compte bien remettre de l'herbe ici. Ça peut faire plutôt sympa comme ici. Là, du coup, il y aura quand même 3-4 traces de roues. Pour quand le tracteur il va arriver là, pour prendre le fumier et puis qu'il va le déposer dans la benne. Et ensuite, il y aura deux autres traces qui vont partir d'ici, pour par exemple quand le tracteur il va aller là et qui va faire tout simplement ça. J'ai aussi collé, enfin fait la petite clôture, donc j'ai pas tendu le fil de fer, tout simplement parce que je voulais faire quelque chose de vieux, parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, je me suis informé et il y en a quand même pas mal qui le font. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Il restera aussi à mettre la terre juste là, histoire d'avoir un meilleur contraste. Et puis ensuite, il faudra que j'achète bah, un arbre juste là. Et une fois que tout sera fait, donc déjà, avant de faire ça, enfin, quand j'aurai fini de faire ça sera déjà pas mal. Parce que je vais pas vous mentir que là, ça va être très très compliqué. J'aurai plus qu'à mettre le fumier et le lisier. Et puis tout sera bon. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est mettre beaucoup, donc une belle couche de colle à bois. Tout simplement pour qu'il y ait une petite hauteur. Avec beaucoup de cailloux et que je puisse passer le tracteur, comme ça fait des belles traces. J'ai repris de la terre de chez moi. J'en ai pris quand même pas mal. Il faudra que je casse encore. Là, on voit que ça fait des mottes. Bref, je fais ça. J'en mets beaucoup. Je passe le tracteur. Tac. J'essaie de voir ce que ça donne. On met l'herbe. Et ensuite, bah, ce sera fini. Bon bah voilà, dans l'accéléré, vous avez pu voir, j'ai fait les traces de pneus. Donc là, bah, il y a juste à attendre que ça sèche. Enfin, que ça sèche à moitié. Je retourne, je repasse les roues dessus, histoire qu'on voit vraiment bien les traces, comme j'ai fait juste là. Et puis là, bah là, du coup, il faudra que j'en remette un petit peu, parce que du coup, ça fait un peu crade. Bref, on se dit bah à tout à l'heure. Bon alors du coup, voilà. Donc là, avec la lumière, on voit mieux les traces. J'ai fait des traces de pneus un petit peu partout. Parce que bah il y a quand même pas mal de passages. J'en ai fait quelques-unes qui passent ici. Quand le tracteur il va passer dedans, bah là on voit quand même que les pneus ils ont quand même bien passé. J'en ai fait plein qui vont là, j'en ai fait une qui va là-bas. Mais là vous voyez pas trop, mais en vrai on le voit. Et bah du coup comme j'ai dit là. Et donc là je suis en train de me préparer pour faire l'herbe qui est juste ici.
Donc là, je vais mettre quelques petits bouts de polystyrène extrudé à quelques endroits. Genre là, j'en remettrai un autre. Tout simplement pour faire un petit peu de hauteur et remettre de l'herbe, enfin de la mauvaise herbe. Bah comme j'ai fait la technique dans la partie 1 que je vous avais dit avec le critérium, machin et tout. Du coup, je vais en placer un là, puis un autre petit là. Je mets tout en herbe. Tac, petit coup de critérium. Je place ça dedans. J'aurais plus qu'à remettre un petit peu d'herbe ici, c'est vrai. J'y avais pas repensé. Et puis le fumier lisier. Et il sera enfin fini. Oh, je suis trop content. Bah, c'est vrai qu'il restera aussi, par contre, à trouver un fil. Enfin, trois fils, du coup, pour passer pour les câbles électriques. Et puis rajouter quelques détails et il sera enfin fini. Mais en vrai, je crois que c'est le plus beau que j'ai pu faire. Au final, j'ai laissé neutre. J'ai enlevé les petits bouts parce que je me dis que j'ai quand même déjà pas mal de relief là et ici. Ça sert à rien d'en remettre un petit coup là-bas. Je vais laisser ça neutre. Je vais mettre l'herbe et puis le résultat sera, ça sera incroyable. Bon bah ça c'est fait, impeccable. Je dois vous sortir la vidéo pour dans 1 heure. Je sais pas comment je vais faire, mais ça va être chaud de fou. Là il restera plus qu'à mettre tout simplement l'herbe. Là ça va être compliqué parce que c'est encore tout mou. Donc à mon avis il va falloir que j'attende encore à peu près un jour. Donc bon bah tant pis, je vous présenterai ça comme ça. Je remettrai une fois que tout ça sec que bah, je vous remettrai ça. Et puis comme ça je pourrais prendre des belles petites images. Et puis ce sera tout simplement la fin de la vidéo. Bon bah voilà, le diorama est fini, je suis trop content du résultat. J'ai tout remis, il restera juste l'arbre juste ici à placer. Mais ça je l'achèterai puis je le ferai en off, hein. Je vais pas faire une vidéo spécialement pour un arbre. J'ai ensuite mis du coup la terre ici pour faire le petit dégradé. La terre ici, j'ai fait les traces de pneus là, ça c'est les traces du godet. On va se laisser tout simplement sur de belles petites images. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Know that the ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that the ride or die. Know that the ride or die, I keep boys by my side. Know that the ride or die, I keep boys by my side. Day we hustle, but the night boys by my side. Know that the ride or die. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. I'm a OG boy. Know that the ride or die, I keep boys by my side.